Je m'appelle Naomi Martino, je suis artisan chocolatier. Donc je fabrique des produits de chocolat à partir du cacao qu'on a en Guadeloupe. Et je transforme donc ce cacao en chocolat. J'y ajoute fruits, épices ou plantes. Donc on a des chocolats à la passion, goyave, cerise, gingembre, ananas, citron. Tout ce que je peux trouver qui se marie avec le chocolat. Je suis tombée dans le chocolat très petite. Parce que c'était une tradition familiale d'abord, et puis parce que j'aime le chocolat et j'aime le bon chocolat. Donc l'idée, c'était de mettre en place une entreprise qui puisse retranscrire toutes les émotions que j'avais dans le chocolat. Et j'ai réussi en fait à mettre en avant un cacao qu'on a ici, et j'espère pouvoir continuer à faire ce travail-là. J'ai fait mes études d'abord. À la base, c'était pas du tout des études en chocolaterie. J'ai fait d'abord des études de chimie, d'abord. Chimie, physique, chimie, ce qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Et je savais que je voulais ouvrir une entreprise, mais je savais pas dans quoi. Donc, une fois mon doc dans le poche, j'ai fait un BTS transport et logistique pour pouvoir avoir des bases en transport. Maîtriser ma logistique, c'était pour moi important. Et pendant que je faisais en fait ces études de transport et logistique, je me suis formée sur les techniques de base en fait en chocolaterie. C'est là que j'ai rencontré mon maître qui, un an après, m'a formée pendant un an et demi sur les bases du chocolat. Donc c'est un parcours complètement atypique, mais c'est vraiment un parcours de passion d'abord. Et puis ça montre qu'on n'a pas qu'une seule direction. On peut faire beaucoup de choses et arriver très loin sans passer par un parcours classique. Donc c'est vraiment d'abord de la bénédiction, je dirais, de la patience et de l'amour. C'est surtout ça, sur mon parcours.